C'est fini. Je regarde la barre là, qui s'avance. Comment ça va bien tout le monde? Comment ça va bien les petites patates chaudes, les petites potatoes? Comment vous allez bien tout le monde? Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Fred du Lac 73 Medium. Il y en a qu'un qui existe au monde et c'est moi. Et oui, il y en a qu'un. Heureusement, si on serait plusieurs, je pense que ça irait pas. Alors ça s'appelait A Huevo. Je sais pas ce que ça veut dire en espagnol ou en, voilà, je sais pas en quelle langue, mais A Huevo, ça s'appelait. En tout cas, c'est l'été, hein. C'est l'été et c'est la patate. Voilà, on est plein de patates. Quelle chaleur, mais on transpire. J'en ai perdu ma barbe et perdu mes cheveux. Heureusement, j'ai pas perdu le reste. Voilà, en tout cas, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Voilà, on va passer un bon moment ensemble. On est là pour faire des tirages. Et je vais vous dire des choses positives pour passer un bon moment. Et en plus, je vais parler en anglais, mais non. On va éviter, parce que comme je suis trilingue, je vais éviter quand même, vous n'allez pas comprendre. Et du coup, on a les roses. Regardez ces roses, elles sont magnifiques, ces roses. Mais il y a plein de choses magnifiques ici. Hein. La Vierge Marie, comme d'habitude, qui est toujours, toujours présente pour tout le monde. Ce petit cadeau là de la Guadeloupe, je salue tous mes amis guadeloupéens, voilà, Catou et plein d'autres. Merci pour ces cadeaux, hein, toujours. Là. Je passe un bonjour à toute la Guada, hein, je crois qu'on dit ça comme ça. Et bien sûr, les roses à Marie, hein, voilà, toujours fabuleux. J'ai trouvé super beau, je les ai trouvées super belles, ces roses. Vous me direz si vous aimez en commentaire. Tout le reste aussi, la déco, hein, vous voyez, la boule de cristal. Voilà, ça change, c'est l'été, on enlève de la déco, on en met d'autres, mais c'est comme ça. Voilà, allez, nouvelle vidéo aujourd'hui. Il fait chaud, hein, alors si je transpire, désolé, vous avez vu ma petite coiffure? La petite coiffure, si vous entendez un petit ventilo, c'est qu'il y a le ventilo. Et si vous n'entendez pas le ventilo, ben c'est que c'est moi, voilà. Vous avez vu la coiffure, vous me direz si vous aimez ma coiffure, hein. Moi j'en avais marre des cheveux longs, j'en pouvais plus. Et la coiffeuse elle m'a dit, ouh, vous pas, ouh, je vais vous faire plus jeune vous. Ah ben oui, ben c'est gentil. Je salue ma coiffeuse préférée Fabienne, hein. Bien sûr, je ne peux plus aller la voir, elle est trop loin. Mais toujours mes pensées pour elle, pour la coiffure énergétique que je fais toujours, hein, voilà, et aussi, je, voilà, là, je me suis coupé les cheveux parce que vraiment, il fait trop, trop chaud, là, la nuit, on a chaud, le jour, on a chaud, c'est tout, on a toujours chaud tout le temps, et voilà, attention aux orages, ils arrivent, mais ça, on y reviendra un peu plus tard, ok, vous allez bien, j'espère que oui, j'espère que les vacances se passent bien, si vous êtes un peu stressé, faites comme moi, vous savez ce qu'il faut faire quand vous êtes stressé, stressé et pas bien, vous savez ce qu'il faut faire, bah, faut manger un peu de chocolat noir, voilà. Chocolat bio, toujours du bio, c'est meilleur,
C'est meilleur. Et c'est du noir. Enfin, je suis pas stressé, mais c'est bon quand même. Voilà. Ah ben ça, c'est Lidl. Mais elle est bon quand même. Hein. Voilà. Faites comme moi, manger un petit, pas trop, mais un carreau, ça va bien. Ok? Allez, donc aujourd'hui, eh ben aujourd'hui, je vous parlais de quelqu'un que j'aime bien. C'était pas un voyant, c'était pas un médium, mais c'était quelqu'un qui prédisait un peu l'avenir. Hein. Il a écrit deux livres que je sais pas s'il a dû en écrire d'autres, mais il en a écrit deux que j'aime bien. Le premier, c'est 1984, et le deuxième, c'est Les animaux de la ferme. Si j'oublie le titre, ça va pas. 1984 et Les animaux de la ferme, et on viendra parler de lui plus tard. Voilà, d'accord? Je vais parler de George Orwell, bien sûr, un visionnaire de la vie du. Voilà, de 1948, je crois, qu'il a écrit son premier roman. Et c'était un visionnaire. C'était un peu un médium, un voyant, hein, de loin. Hein. Ah oui, hein. Oui, la ferme des animaux. Exactement. Alors, des fois, tu étais planté. Non, je ne me suis pas planté, c'est bien la ferme des animaux. Ah bon? Les animaux de la ferme. Ah, la ferme des. Bah, ferme ta gueule, et comme ça, c'est rien. Non. Toujours avec bienveillance. Bon, avant tout, avant de parler d'autre chose, allez, je veux que vous participiez un peu. J'ai pris deux bouquins, là. Il y en a qui connaissent. Apprendre l'orthographe, comme c'est les vacances, mais faut quand même pas en vacances, il faut quand même continuer à faire fonctionner son cerveau. Et pour ça, il y a tout âge. Et il y a le Becherel. Alors, ce que je vais vous proposer, avant de faire des tirages, j'ai eu cette idée-là juste avant de commencer la vidéo, donc ça tombe bien. Eh bien, je vais vous faire un petit cours de conjugaison. Ah, allez, vous allez me dire, c'est vous qui allez me dire. Oh, c'est écrit en tout petit, alors là, je vais t'embêter. Je vais être vraiment embêté, je n'avais pas prévu ça. Bon, ben, on fera ça plus tard. Le Becherel est vraiment écrit en tout petit. Eh bien, vous allez me conjuguer quand même, et vous me direz si vous y êtes arrivé. Voilà, vous allez me conjuguer le verbe, et je vous dirai les réponses sous la vidéo. Avec le verbe du troisième groupe, le verbe rire, voilà, rire, je ris, tu ris, il rit, nous rions, vous riez, il rit, ça c'est le français. Eh bien vous allez le conjuguer à quoi? Allez, je vais vous trouver quelque chose et puis vous allez me conjuguer. Vous n'allez pas me conjuguer, mais vous me direz en commentaire si vous avez réussi à le conjuguer, parce que ici, moi je vous crois sur parole. Eh bien on va faire au plus que parfait. Ah! Le verbe rire du troisième groupe au plus que parfait. Eh bien, on est mal barré. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont mal barrés. Le verbe rire au plus que parfait, réfléchissez et écrivez-le moi en commentaire si vous vous sentez, vous pouvez. Voilà, on va voir ceux qui sont vraiment. Voilà, ceux qui connaissent bien la langue française. Ok? Maintenant, on a quoi? Orthographe. Apprendre l'orthographe. Exercice, bon, ça veut dire quoi? Ah, on faisait ça quand on était gamin. On faisait ça. Ils disent quoi là? Alors, attendez, le groupe nominal, le nom. Dessiner une cuillère sous chaque groupe nominal. Ok. Ah, la langue française. Bon, on verra ça plus tard. Parce que je n'ai pas vu que c'était écrit en tout petit, mais peu importe. Important de connaître la langue française. À l'heure d'aujourd'hui, si vous voulez vous démarquer des autres, apprenez la langue française. Ok? Allez, voilà. Le verbe rire, hein, au plus que parfait, j'ai dit. Comment c'est le verbe rire au plus que parfait? Ben, vous me direz si vous avez trouvé. Ok? Ok, mes amis, allez, on y va. Donc aujourd'hui, George Orwell. Alors, on fera un gros tirage final. Je vais surtout parler de 1984, même si je vais parler aussi des animaux de la ferme. Voilà, des deux livres qu'il a écrits. 1984, bien sûr, sous contrôle, hein, sous Big Brother. Voilà. Est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas? Message des Georges, des guides. On va faire un tirage sur ça. C'est la vidéo d'aujourd'hui. Et avant la pensée positive du jour, comme d'habitude, qui dit pensée positive, dit ceci, cela. Voilà. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. C'est quelque chose d'impressionnant. Je suis tombé dessus ce matin, parce que je cherche toujours des pensées positives. Et ce matin, je suis tombé sur ça. Et je me suis dit, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo, sous ma vidéo là. Et c'est la dentelière de Bruges.
Bruxelloises, je crois que c'est ça, hein, Bruges. C'est des Belges, des mamies belges, mais il n'y a pas que des mamies, je crois. Non. Bref, on s'en fout. Mais en tout cas, le plus important, c'est qu'elles font de la dentelle. Et allez voir la dextérité qu'elles ont, mais c'est incroyable. Franchement, c'est la pensée positive du jour. Franchement, eh ben, je pense que regardez ça, vous allez être impressionnés, même si il fait chaud. Vous allez être impressionnés parce qu'elles sont une dextérité avec les mains, avec les doigts, et elles arrivent à faire de la dentelle de Bruges. Voilà, la dentelle de Bruges, vraiment magnifique. Bon, je vais pas y passer là, mais je vous mettrai le lien sous la vidéo. Allez voir, d'accord? Voilà, c'était la pensée positive du jour. Le temps d'avant, quand même, c'était quand même quelque chose, hein. Elles n'avaient pas de téléphone dans les mains, elles n'avaient pas tout ça, mais c'était vraiment, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment. Oui, on peut baisser le ventilo parce que là on se croirait dans un avion. D'accord? Voilà. Bon, je voulais vous parler de Pierre Rabhi, mais on y fera la prochaine fois. Ou si j'arrive à le faire. Est-ce que j'arrive à le faire? Je vais essayer de le faire. Je vais vous parler de Pierre Rabhi. Voilà. J'ai pris une vidéo. Je vais vous lire. Parce que je ne peux pas passer les vidéos là. Mais moi, je vais vous la lire, la vidéo, s'il veut bien. Voilà. Alors, c'est Pierre Rabhi qui parle. Ça date d'il y a quelques années. Il faudrait que j'arrive à me mettre en pause. Je ne sais pas comment on met en pause là-dessus. J'arrive pas à mettre en pause. Ah, voilà. Ok, Fred. Alors, Pierre Rabhi qui parle, hein. Pierre Rabhi qui parle. Écoutez bien, c'est lui. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Je sais pas si on peut, mais je vais essayer de mettre le lien quand même sous la vidéo quand il parle. Voilà. Il dit, et c'est lui qui parle. Je suis triste de voir ce qu'on a fait de l'être humain. C'est lui qui dit. Un besogneux qui est enfermé toute l'année et qui de temps en temps va glisser sur la neige ou va se bronzer sur la plage. Pour compenser l'aliénation qu'il subit toute l'année, c'est carrément de l'esclavage. Faut pas raconter qu'on est libre. On est libre de quoi? De la maternelle à l'université, on est enfermé. Les jeunes appellent ça le bahut, d'ailleurs chez nous. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes. C'est dur parce qu'ils parlent vite en plus, hein. Tout le monde travaille dans des boîtes. Des grandes, des petites boîtes. Même pour s'amuser, on va en boîte. Et on y va comme avec sa caisse. Et ensuite, il parle très vite. Et ensuite, on y va en boîte. Voilà. On y va avec sa caisse. Et ensuite, on a la boîte à vieux, en attendant la dernière boîte. Et ça, c'est un programme libérateur. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire, libre. Donc, vous passez un contrat à vie, on vous donne un salaire et vous. On vous donne un salaire et vous donnez votre existence. Et qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que déjà, l'existence que vous avez donnée contribue à la justice dans le monde? Alors là, c'est une compensation. Magnifique, d'accord. J'ai un peu aliéné ma vie, mais ça a produit de la justice. Mais non, ça produit les 1500, j'arrive pas à le dire, tellement c'est gros le chiffre. Ça produit les 1500 milliardaires de dollars qui sont à la tête de l'ensemble de l'humanité. Voilà. J'ai eu un peu de mal. J'ai eu un peu de mal à lire, parce qu'il va très vite, mais en fait, il dit quoi? Il dit qu'en fait, vous croyez libre, on est libre de quoi? Vous travaillez toute votre vie pour quoi? Pour pas grand-chose. Par contre, il y en a quelques-uns qui s'enrichissent, oui, des milliardaires. Voilà, on est libre de rien. Voilà, c'est très important, la liberté. C'est ce que je disais en story. Et c'est pour ça que je voulais vous passer, je vous mettrai sous la vidéo ces paroles. Il va très vite. Mais bon, voilà, c'est pour la bonne cause. Il avait raison. C'était aussi un, comment on appelle ça, un visionnaire, je vais appeler ça comme ça, un visionnaire, hein, qui aimait l'être humain et qui aimait les animaux et qui aimait la terre surtout. Voilà. Oui, là, il avait vraiment raison. Ça me fait quelque chose de lire ses paroles.
Ça montre que tout le monde se croit libre pour partir en vacances, pour aller à la montagne, à la neige, à la mer, à l'océan. Et après toute l'année, ben, on est enfermé dans une boîte, en boîte, pour finir dans une boîte. Ouais, c'est quand même spécial comme vie. Voilà, c'était sa pensée, il avait bien raison. Ok? Voilà. Allez, avant de faire George Always, on va faire les 12 signes astrologiques, bien sûr. Je voulais vous dire quelques mots sur les prédictions, là, les miennes. Vous avez vu? Alors, je vais vous dire, hein, je vais vous dire. Parce que voilà, il y en a certains qui disent des conneries, donc je vais vous dire des choses. Prédiction eau de bouteille, je vous en ai parlé il y a beaucoup de mois en arrière. La canicule à l'heure d'aujourd'hui, je vous en ai parlé à l'hiver dernier. Avec les moustiques, faites attention aux moustiques, ne rigolez pas trop. Parce que les moustiques qui vous piquent, ça peut amener des maladies. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Les maladies des moustiques, et en plus on ne les voit pas. Il y a quelque chose d'important que je voulais vous dire sur ça. La canicule, bon ben voilà, vous allez me dire, il n'y a pas besoin d'être voyant, d'être médium pour annoncer la canicule tous les étés. Oui, mais c'est de pire en pire, parce qu'il fait très très chaud quand même. On suffoque ici, hein, et c'est vraiment la chaleur. Et par contre, les moustiques, moi je vous le dis, hein, je vous dis quoi? Je vous dis que moi j'ai suivi un moustique. Je l'ai suivi du doigt comme ça, il m'a piqué. Je lui ai laissé me piquer, il m'a bien piqué. Et avant, je me rappelle, on disait toujours qu'un moustique il pique et il meurt. Et ben le moustique, il est reparti. Tout, je sais pas comment je peux dire ça, tout guinguillé, je sais pas si ça existe, mais tout guinguillé, il est reparti et on m'a piqué une deuxième fois. Hein. Et je pense que si je lui avais pas mis un revers, eh ben, je pense qu'il m'aurait piqué encore une troisième fois. Donc je vous dis, c'est une prédiction que je vous ai faite, vraiment. Je vous dis, faites attention aux moustiques, vraiment, vraiment, vraiment. Il y a plein de choses qui marchent, donc faites-le. Voilà pour les retours de prédiction. Moi, j'ai parlé d'Hanouna, de C8. Bien sûr, ça va être la fin, bon, pas encore la fin, puisqu'ils vont redémarrer. J'avais prévenu, voilà, bon, je vais pas me mettre en avant, je ne suis pas là pour ça, mais j'avais dit qu'il fallait qu'ils restent dans le divertissement. Quand vous touchez à la politique, c'est plus le divertissement, et après, la loi n'est plus la même. Et donc, au revoir, C8 sur. Au revoir, Hanouna sur C8, peut-être qu'il reviendra sur Canal, et on va voir. Mais bon, je crains que ça va être chaud patate pour lui quand même, voilà. Qu'est-ce que j'avais vu? Eh ben Gabriel qui est parti, Premier ministre. On n'a encore pas de Premier ministre. On se demande à quoi ça sert parce qu'il n'y en a pas, mais ça fonctionne bien. Donc, ben oui, on disait, il y en a qui disent c'était facile à prévoir. Non, pas tant que ça, pas tant que ça. Moi, je suis désolé. C'est facile de dire quand les autres disent, mais faites-vous des prédictions. Voilà, comme ça, vous verrez que c'est pas si facile. Trump, bien sûr, l'accident de Trump, il a échappé belle il a été protégé, bien protégé par son ange gardien, Trump. Et je continue à dire que c'est pas fini, c'est pas fini. C'est l'homme à abattre, hein. Voilà, je le dis comme ça, mais je ne suis pas le seul à le dire. Mais moi, c'est de la prédiction, donc attention Donald, s'il m'entend. Voilà. Je peux parler aussi de retour de prédiction de Kate Middleton, de Céline Dion. Il y en a qui disent oui, elles sont revenues, c'est elles, elles vont bien. Fred, qu'est-ce que tu nous as dit? Oui, c'est elle ou pas? C'est elle ou pas? Est-ce que Céline Dion, elle chante ou pas? Est-ce que c'est vraiment elle ou pas? Est-ce que Kate Middleton, c'est elle ou pas? On va vers ce que je vais vous dire après, vers George Orwell, 1984, Big Brother. L'ordinateur, les réseaux et toute la technologie qui contrôle le monde. Voilà, donc on y va directement, on y est directement. Hein. Est-ce qu'on est contrôlé? Pourquoi on est contrôlé? Pourquoi, tiens, vous savez, vous, chez vous, vous avez un ordinateur, un téléphone, pourquoi on vous suit sur les téléphones? Ah ouais, parce qu'ils peuvent allumer la caméra, ils suivent les messages, ils suivent ce que vous faites, ils suivent votre vie, ils suivent votre être personnel. Et pourquoi ils font ça? Je répondrai à la finalité de la vidéo, à ça. Ok? Voilà. Bien sûr, il y a d'autres. Il y a l'eau de bouteille, j'en ai déjà parlé. Ne buvez pas trop d'eau de bouteille quand il fait très chaud. Mettez du charbon actif. J'en avais parlé, mais j'en ai plus. Mettez du charbon actif dans l'eau. C'est très bien mieux que l'eau de bouteille. Et bon, il y en a plein d'autres. Hein. J'avais mis quoi? Je ne sais même plus ce que j'avais mis. Voilà. Bon, il y a Kenji, bien sûr, et tout le reste. Ok? Donc, beaucoup de prédictions. J'ai plus à faire mes preuves, je pense. J'ai plus à faire mes preuves. Et si vous me faites confiance, vous avez raison. Faites-moi confiance. Vraiment. C'est un conseil que je vous donne. Si vous galérez dans votre vie terrestre, si vous ne savez plus où aller, comment faire, quel choix faire, et pourquoi on galère, et pourquoi si, ben, contactez-moi et vous verrez que ça ira mieux dans
dans tous les cas, ça va aller mieux. Voilà, Pierre Rabhi, je l'ai dit. Ok, on y va. Allez, on y va. Avec les 12 signes astrologiques. Ah, vous aimez bien ça. Hein? Alors, horoscope de la semaine chez Fred Dulac 113 Medium. Hop. Allez, je vais mettre ça là. Merci les anges et les guides de protéger le tirage. Je vais me protéger moi de répondre à la question. À vous. Impeccable, un petit café. Et on y va. On commence avec mes amis béliers. Allez, pour les béliers cette semaine. Alors, qu'est-ce que je vais annoncer pour les béliers cette semaine? Eh bien, on y va. Et c'est comme ça. Comme d'habitude, vous avez l'habitude. Elles sentent bon, ces roses. Les roses à Marie. Ah, Marie, si tu savais. Elle sait tout, Marie. Voilà, pour les béliers, vous avez décrypté le message. Interprété le message, ça veut dire quoi? Le discernement pour les béliers, ok? Le discernement, l'audace et le renard. Vous, les béliers, vous êtes des fonceurs. Enfin, vous. Oui, si, vous êtes des fonceurs. Et donc, vous avez beaucoup de discernement. Vous voyez les choses. Parfois, l'audace, vous ne mettez jamais en avant. Et ça sera le cas encore cette semaine, donc il faut prendre plus d'audace. L'audace, c'est de se mettre en avant. C'est n'ayez pas peur des autres, il y en a qui se mettent en avant, hein, et ils ne voient rien. Hein. Ils n'ont pas de discernement, ils se mettent en avant. Vous avez du discernement, donc ayez de l'audace. Mettez-vous en avant, soyez rusé comme le renard, voilà, cette semaine. Mettez-vous en avant avec la ruse, message de votre ange gardien, cette semaine. N'ayez pas peur, mais soyez rusé comme le renard, hein, les béliers. Les fonceurs, les béliers. Allez, on continue avec les taureaux. Je ne vais pas avancer les bras parce que... Voilà. Allez, les taureaux, on y va. Message de vos anges gardiens cette semaine. Vous avez vu? Je vous laisse un peu les cartes parce que vous m'avez dit. Moi, j'aime bien voir les cartes, Fred. Laisse-les plus longtemps. Ok, mais je ne veux pas passer 2 heures quand même. Donc, pour les taureaux, le lâcher prise, oui. Les âmes sœurs et... Les poissons, attention mes amis taureaux, cette semaine, il faut, je dis souvent qu'il faut le lâcher prise, laisser agir le lâcher prise, mais pas trop quand même, surtout au niveau des âmes sœurs, les âmes sœurs c'est sentimental, donc avec ceux que vous aimez vraiment avec le cœur, ceux qui sont proches de vous, et les poissons dans un tirage c'est jamais trop bon, ça montre qu'on parle sur vous, donc lâchez prise, mais tendez quand même l'oreille. Voilà le conseil de votre ange gardien cette semaine. Laissez parler, mais vous tendez l'oreille. Eh oui, voilà. D'accord? Message de votre ange gardien. Allez, on continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est le nouveau signe astrologique. Allez les Gémeaux, on y va. Message de votre ange gardien cette semaine. De vos anges gardiens. Allez, je me dépêche. Les Gémeaux, on y va avec... la pensée crée, créer. Ce verbe créer, je ne sais pas combien on met de E à chaque fois. Pendant que je révise. La pensée crée, l'hiver et les souris. Attention, message d'avertissement pour les Gémeaux cette semaine. Attention, ne vous perdez pas dans les pensées. La pensée crée et comme vous n'êtes pas bien, ou que cette semaine vous allez avoir des pensées un peu voilà, pas terribles, eh bien, vous pouvez aller dans le mauvais chemin pour les Gémeaux. Et du coup, les souris montrent que vous radotez un peu. Il ne faut pas radoter les Gémeaux cette semaine. Donc, le mieux, c'est de ne pas trop penser et de faire ce qui vous fait du bien. Voilà, ne pensez pas trop cette semaine. Message de vos anges gardiens pour les Gémeaux. Allez, les cancers. On y va pour le tirage astrologique de cette semaine. Je ne sais plus dans quel sens je mettais, mais peu importe. Du plus petit au plus grand. Voilà. Allez, pour les cancers, on y va. Message de vos anges gardiens, c'est marqué quoi? La vision. Ok, on va voir après. Le couple. Ok, et l'anneau. Ah, ça veut dire un beau message. Ça, c'est au niveau sentimental du couple. Vous êtes avec quelqu'un.
ou vous recherchez quelqu'un, en tout cas, vous avez la belle vision, vous avez une belle vision de la situation pour en ce qui vous concerne au niveau du couple, voilà. Et l'anneau montre que si vous restez dans cette vision-là, ça veut dire que si vous restez vrai, tout simplement, pour les cancers, eh bien, cette semaine, ça va être une semaine paisible au niveau sentimental pour vous, les amis cancers. Oh, vous avez de la chance, vous. Allez, les lions, on y va. Message de vos anges gardiens, les lions. Message de vos anges gardiens pour les lions cette fois. Allez, les cancers, eux, ils sont contents. C'est l'été, il fait chaud, tout va bien, profitez-en. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais j'espère que ça va être le cas pour les lions. Allez, les lions, on y va. Avec l'éveil de la joie. Ah, les lions, ils sont toujours à fond. C'est un peu comme les béliers, mais en pire. Non, les lions, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Voilà. Et c'est important de faire ce qu'on veut dans la vie. La réussite et le cercueil. Ah mince, j'avais pas vu. On la jette la dernière. Je crois que c'est le cercueil. Oui, c'est le cercueil. Je vois mal, mais c'est le cercueil quand même. Et oui, vous êtes fonceur comme les béliers, les lions. Mais les lions, même si vous êtes fonceur et que vous voulez absolument vous rechercher la réussite, vous recherchez toujours le. Voilà, vous foncez pour avoir la réussite. Et encore plus cette semaine, attention de ne pas aller trop vite. Attention de bien réfléchir à vos actes et vos paroles. Le cercueil n'est jamais bon. Ça montre la fin de quelque chose. Donc, attention, réfléchissez avant de parler. Message de vos anges gardiens. Après, on a quoi? On a les vierges. Allez, les vierges. Pour vous, mes amis vierges, comme la Vierge Marie qui est là. Ça va être un beau tirage pour vous, je suis sûr, je suis sûr. Allez, hop, pour les vierges, vous avez vu? Vous avez vu les cartes? Alors on y va, la vérité, ah les vierges, vous aimez que la vérité soit dite, vous aimez bien les gens vrais, vous aimez bien, vous aimez pas la fausseté, et ça ressort. La flamme, les flammes jumelles, ok, et le fouet. Ah ben décidément, ça part toujours bien, mais ça finit mal. Donc, attention, cette semaine, vous aimez bien la vérité, vous aimez bien ceux qui vous entourent, les âmes jumelles, c'est un peu les âmes qui vous ressemblent. Ça va un peu différent, c'est un peu différent, mais quand même, c'est le message cette semaine pour vous. Attention, toutes les âmes autour de vous ne sont pas des flammes jumelles, pardon. Ne sont pas des flammes jumelles. Donc, méfiez-vous, hein, méfiez-vous, parce que le fouet, vous savez, hein, il y a de la fausseté autour de vous, et donc, attention, méfiez-vous cette semaine. Ok? Message de vos anges gardiens. Allez, les balances. On y va. Allez, les balances. Hop. On y va. Message de vos anges gardiens pour les balances. Ouh, faut pas que ça boule. Là, le feu, ce message de vos anges gardiens. Ah, ça chauffe. Vos guides spirituels. Ok, vos guides spirituels vous parlent. Rencontre et le chien. Ouh, alors, belle semaine pour vous, hein. La chaud balance, c'est ça? Vous me direz en commentaire si je ne me suis pas trompé. C'est bien les balances. Les guides sont là, la rencontre est là et les amis sont là. Donc, amis balance, profitez cette semaine. Il n'y a rien qui vous arrête, les amis. Tout le monde est là, tout le monde est proche de vous et vos guides aussi. Donc, allez-y à fond. C'est les vacances, profitez-en. Profitez, profitez. Profitez, mes amis, profitez. On en est aux scorpions. Les scorpions, ils sont gentils, mais faut pas trop les embêter. Si tu embêtes un scorpion, tu peux te prendre une mandale rapidement. Et vous savez quoi d'ailleurs? Vous savez quoi? J'ai failli pas être là aujourd'hui. Hein. Je vous le raconte après. Une histoire vraie, bah, mon histoire. J'ai eu chaud quand même là. Allez, les scorpions. Avant, on fait les scorpions. L'état de conscience. Ah, les scorpions. Ah, ça pique, ça se laisse pas faire. Par contre, ça réfléchit beaucoup. Ok? Communication et l'enfant. Ok, d'accord. Donc, mes amis scorpions. Il est temps de penser à vous, les autres, les enfants, tout ça, la famille, c'est bien, mais il faut penser à vous.
Il faut communiquer. J'ai peur pour les roses là. Allez, je les tourne un peu, hein. Désolé, mais. Donc, il faut penser à vous. Vous pensez trop aux autres. Vous avez trop de conscience pour les autres. L'important, c'est de penser à vous aussi. Quand on est bien soi-même, on peut donner aux autres. Mais quand on fatigue, eh bien, quand on fatigue, on est fatigué. On se pense d'abord à soi. Ok? Message de vos anges gardiens. On y va. Ah, il me semblait bien qu'il manquait le meilleur signe du monde, les Sagittaires. Sagittarius. Allez, je vais prendre cette carte. Alors, un beau message, hein, cette fois. Parce que si c'est pas un beau message, là, je vais engueuler mon ange gardien. Et vous aussi. Allez, pour les Sagittaires. Sagittarius, on y va. Hop. C'est bon? Vous avez vu? Il est beau le message, sinon je le lis pas. Allez, lisez dans ma pensée. Envoyez-moi des pensées. Est-ce qu'il est beau le message ou pas? J'espère que oui. Sinon, ça va mal aller. La reconnaissance de soi. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que. Non, pas avec vous. Vous me dites souvent merci, heureusement. Le printemps et. C'est quoi la dernière? Le livre. Ok. Oh, beau tirage. Merci mon ange gardien. Ça veut dire quoi? Fred, la reconnaissance arrive. C'est écrit, le printemps. On est en été, c'est quand le printemps? Ah, ben c'est le printemps prochain. Mais la reconnaissance arrive quand même, un changement de situation. Et c'est écrit dans le livre. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, on est les meilleurs. Je suis le meilleur. Et si ça dérange, eh ben barre-toi. Non, la reconnaissance de soi, c'est bien. Ça vous montre que vous êtes sur le bon chemin, pour mes amis Sagittaires. Allez, on continue. Capricorne. Capricorne, on y va. Allez, message de vos anges gardiens. Vous aimez bien les tirages, l'horoscope comme ça, donc je continue à le faire, hein. Vous aimez bien, vous m'avez dit, Fred, tu vois toujours juste. Je vois toujours juste dans tout, hein. Dans ma boule de cristal, vous avez vu la boule de cristal là? Trop, trop belle cette boule de cristal, trop trop belle. L'intégration. Là, je suis chez les. Je sais plus chez qui. Chez les. C'était pas les scorpions, c'était les. Après Sagittaire. Capricorne, pardon. Capricorne, intégration. Ah, les Capricornes, vous allez être mis un peu à l'écart cette semaine. Tension et l'homme. Ah, il y a un homme qui va vous embêter cette semaine. Donc, prenez pas de pincettes. Coup de coude ou coup de boule. Un homme va un peu vous embêter cette semaine. Ça ressort pour mes amis Capricorne, j'ai du mal. Et du coup, laissez-le. Non, pas de coup de boule, pas de coup de coude, rien du tout. Que de l'amour. Donnez-lui de l'amour. Envoyez-lui des pensées positives de l'amour. Et vous verrez qu'il va s'en aller tout seul comme un petit gentil bonhomme. Ok? Message de vos anges gardiens. Allez les Verseaux. Les Verseaux, on continue avec cette carte. Message de vos anges gardiens pour les Verseaux. Je parle beaucoup, hein, quand même. Je parle beaucoup, là. Allez, les Verseaux. Oh, le cœur spirituel. Voilà, je vais boire un petit coup de café, là. Les Verseaux, cette semaine, vous avez du cœur et tout le monde vous aime bien. Et vous faites des efforts. C'est bien, mes amis Verseaux, avec le bouquet. Mais comme vous êtes honnête, que vous êtes bien et que vous donnez de l'amour à ceux qui vous entourent, eh bien, vos efforts vont être récompensés avec le bouquet de roses. Voilà, le bouquet de roses. Marie, là-haut, vous remercie. Beau tirage, hein? Super beau tirage. Ok. Et pour finir, eh bien, on finit comme d'habitude par mes amis poissons. Allez, on y va. Hop. Allez, dernier signe astrologique, les poissons, avant de passer au tirage important sur 1984, George Orwell, le visionnaire. Est-ce que nous sommes tous contrôlés? Est-ce que vous, vous êtes sous contrôle? Nous allons voir les messages des anges gardiens. Allez, les poissons, c'est bon, vous avez vu le message? Alors, on a quoi? La perception. Ok, la perception, c'est que vous avez la perception des choses. Bonne ou mauvaise, avec des blocages. Et cavalière. Attention, attention, attenzione. Voilà, en plusieurs langues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous ressentez, même si vous avez parfois, souvent, je dirais,
la bonne vision des choses. Il ne faut pas aller dans l'excès. Ça veut dire que parfois, et en plus cette semaine-là, c'est possible que vous alliez dans l'excès. Et donc faites attention à vos pensées, à votre perception des choses. Ce n'est pas toujours vrai ce que vous voyez. Vos pensées arrivent et ce n'est pas toujours vrai. D'accord? Ne foncez pas comme la cavalière. Réfléchissez avant d'agir et de penser à la place des autres. Ok, message de vos anges gardiens cette semaine. Voilà Fred, on finit avec les poissons. Impeccable, beau travail. T'as la patate Fred. Ok. Allez, je dois ranger les cartes. Je n'avais pas prévu. J'avais pas prévu, mais je vais vous parler pendant ce temps-là. Donc, merci à tous. Hein. Merci, 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 merci beaucoup. Je ne suis pas trop présent. Je devais faire plus de live, plus de ci, plus de là. Mais comme je dois faire plus, eh bien à chaque fois j'ai de plus, de plus, de plus. Et le plus important pour moi, c'est de vous aider. Et du coup, les consultations privées sont privilégiées. Hein? D'accord? Donc, si je ne suis pas trop là, ne m'en voulez pas. Mais je reviens en live. Je reviens, je reviens, je reviens en live. On me demande beaucoup, mais je reviens en live. OK? En plus, il fait chaud. Je voulais en faire un hier. Moi, je vous dis tout. Je voulais en faire un hier, mais je n'ai pas pu parce qu'il fait très, très chaud. Et du coup, ça sert à rien, quoi, parce que quand j'ai chaud, bah après, voilà, après, j'ai pas les bons messages quand il fait trop chaud. Je risque de péter une durite. Non, c'est pas vrai. D'accord? Mais je reviens en live. Ok, allez, on y va. George Orwell, 1984. Vous connaissez George Orwell, ce visionnaire, hein? On parlait de vision, là, prédiction. Lui a vraiment 1900. C'était, alors, je vais regarder. C'était juste après, je vais regarder parce que je ne me rappelle plus. Voilà. Donc c'était en le 8 juin 1949, hein, qu'il a écrit 1984. Donc juste 1949, vous imaginez un peu. Il voyait le monde en 1984, voilà. Sous contrôle, donc. Sous contrôle par l'ordinateur, par tout ça. Bon, est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas? On va faire un gros tirage. Mais avant, je voulais vous parler de son autre livre qui est un peu moins connu. Et je vous mettrai le lien vraiment sous la vidéo. C'est un résumé. C'est quelqu'un qui fait des résumés de livres. Voilà. Quelqu'un qui fait des choses bien. Et pour ceux qui ne connaissent pas George Orwell et surtout ce livre, La ferme des animaux, je vous conseille de cliquer sous la vidéo et d'aller voir cette vidéo sur YouTube. Parce que c'est vraiment, en fait, c'est pour résumer rapidement et pour vous donner envie d'aller voir cet autre livre de George Orwell, c'est des animaux qui se rebellent par rapport à quelqu'un qui leur fait du mal et ils vont décider de, voilà, de se mettre ensemble et de faire la rébellion pour virer cette... ce fermier qui leur fait du mal. Tous les animaux de la ferme se mettent ensemble pour virer ce fermier. Et du coup, après, pour que le monde soit meilleur. Sauf que ça ne va pas se passer tellement comme ça. Et il écrit remarquablement bien. Et allez voir vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, vous verrez que ça ressemble intensément à ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà. On croit toujours au meilleur. Faites attention à ceux qui viennent pour sauver la planète, pour vous sauver. Parce que est-ce qu'ils sont vraiment mieux que ceux qu'il y avait avant? Voilà, c'est le message qui passe. Allez voir et vous verrez. Ok? Voilà. Je voulais vraiment parler de la ferme des animaux parce que c'est pas trop connu. Nous, on l'avait appris à l'école, c'est vrai. Mais c'est plus le cas actuellement. Et vraiment, allez voir. Mais quand même, là, à l'instant T, je voulais vraiment parler de 1984. Et donc, qu'est-ce qu'il dit George Orwell? Il dit quoi? Il dit simplement que nous sommes tous sous contrôle, nous sommes tous surveillés, nous sommes tous épiés. Et je vais aller même plus loin, on va voir avec le tirage, mais je dirais plus qu'on est en train, on est en train d'être tous clonés. C'est très important ce que je suis en train de vous dire là. Ça veut dire que votre double, mon double, votre double à vous est en train de se faire s'il n'est déjà pas fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi ils prennent toutes vos données? Voilà, je vais y aller direct avant de faire le tirage, mais pourquoi on vous épie comme ça? Pourquoi on a tous ce téléphone maintenant qu'on ne s'en sépare plus? On raconte notre vie sur le téléphone, on dit tout sur le téléphone et ailleurs. Et comme tout est données informatiques, tout est récupéré pour vous cloner, mes amis. Que vous le croyez ou non,
Eh bien, vous êtes tous clonés. On est tous clonés. Donc, mon conseil avant de faire le tirage, ne dites pas tout sur les réseaux. Faites attention. Attention, les caméras, les réseaux. Pas celui-là, mais d'autres. Attention, ne dites pas tout. Vous savez, il y a des réglages sur les téléphones. Il y a des réglages. Voilà, je vous les dirai après le tirage, mais je vais le dire avant. Il y a des réglages sur les téléphones. Qui vous permet de bloquer la caméra, qui vous permet de bloquer l'audio, qui interdit aux applications de prendre votre place, et ça commence par là. Voilà. Vraiment, je vous conseille à tous, si vous aimez bien YouTube et autres réseaux, eh bien, vous activez le micro, vous activez la caméra au moment où vous regardez YouTube, où vous faites des vidéos comme moi, mais après vous fermez. Et surtout, 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 n'ayez pas confiance en ces objets-là. Toutes les données sont récupérées pour vous cloner, je vous le rappelle. Et il l'avait très bien dit, hein. Caméras de surveillance, il y a de plus en plus de vols, de cambriolages. On met des caméras partout chez soi, dedans, dehors, même sur nous bientôt. Voilà. Et du coup, les données vont où? Les données sont prises par qui? Voilà. Réfléchissez à ça. C'était 1984, George Orwell, c'est ce qu'il a dit. Un jour, à l'heure d'aujourd'hui et même encore plus tard, parce qu'on est au début, je dirais, de la suite, eh bien, nous serons tous de plus en plus surveillés. Et chaque fait et geste, chaque fait et geste, voilà, seront récupérés pour vous cloner. D'accord? Voilà, c'est le message d'aujourd'hui. Sans tirage, si on va faire un tirage. Allez, message des anges gardiens aujourd'hui par rapport à George Orwell. George Orwell, pardon, c'est dur à dire. George Orwell, 1984. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à dire, les anges et les guides, par rapport à ça? On va faire un tirage en livre avec les trois oracles. On va voir un peu les messages. Faites très, très attention sur les réseaux. Mais c'est un peu comme la société d'aujourd'hui. Ne dites pas tout à tout le monde. Il y en a qui ont déjà tout compris. Hein, mais ceux qui sont vrais racontent trop, trop la vérité. Ils disent trop de choses avec le cœur. Il faut savoir un peu. Rester fermé et ne pas tout dire. D'accord? George Orwell, donc, allez, on y va. Alors, je vais faire comme ça. Je vais faire trois cartes de chaque. Donc, tirage sur George Orwell. Et du coup, le contrôle. Big Brother. Donc, Big Brother, c'est l'ordinateur, les données et tout ça. Qu'est-ce qu'ils font de nos données? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce qu'on a raison d'aller sur les ordis, sur les téléphones? Est-ce qu'il faut stopper un peu le message d'avertissement? Ou alors on risque rien? Les anges nous répondent. On y va avec le premier message. Premier message par rapport à George Orwell et ce contrôle. Comment je peux dire ça? Oui, ce contrôle. Même chez vous, vous êtes contrôlé. Même chez vous. Voilà. Vos guides spirituels, ok, avec le printemps et le fouet. J'ai pas déjà tiré ça tout à l'heure. C'est un truc de fou. Il faudra rembobiner, enfin rembobiner. Regardez, même moi je regardais parce que là je suis en direct, mais il me semble que j'avais fait le même tirage. Hein. Vous avez vu, j'ai bien mélangé les cartes. Hein. Le même tirage ressort. Premier message donc par rapport à ça, je vais même pas regarder les cartes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est écrit. Ça veut dire que ce que vous avez fait il y a 10 minutes en arrière, 5 ans en arrière, 20 ans en arrière, ça peut ressortir comme là, direct pareil. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ce que je veux vous dire, c'est que tout est sous contrôle. Ils savent tout. Si vous donnez tout, si vous montrez tout, eh bien, tout peut ressortir à l'exactitude, même 20 ans après, la preuve. On regardera. Hein. Vous me direz aussi en commentaire. Impressionnant quand même, vous avez vu comme j'ai mélangé, hein? Et ça ressort les trois mêmes cartes, il me semble. Pas quelque chose près, mais il me semble que c'est les trois mêmes cartes quand même. Ça veut dire que le temps n'existe pas, et donc tout ce qu'ils vous prennent, Big Brother, les ordinateurs, les téléphones, tout ce qu'ils prennent de chez vous, ils l'emmagasinent, ils le gardent pour faire un autre vous. Eh oui, pour ressortir le même que vous à l'heure actuelle ou dans quelques années. Et ça, c'est pas de la connerie. Autre message. Quand même impressionnant, hein, les trois mêmes cartes. Il me semble. On y va. Autre message. Il se passe quand même des choses assez bizarres ici. Parce que je ne sais pas si vous avez vu le nombre de cartes, les trois oracles et les trois cartes pareilles. À un moment donné, je pense que
ceux qui doutent du médium devraient plutôt re-regarder la vidéo plusieurs fois parce qu'il y a en plus, je mélange bien. Hein. Voilà. Allez, autre message par rapport à ça. George Orwell, est-ce qu'on est contrôlé ou pas? La lumière, ok, la femme et la croix. Ok, il y a quelque chose qui ne contrôle pas. Ils veulent tout contrôler. L'ordinateur contrôle tout. Vous, moi, ce qui est terrestre. Il y a quelque chose qui ne contrôle pas avec la lumière, la femme et la croix. C'est là-haut. C'est les anges gardiens. Ils ne peuvent pas contrôler le ciel, les anges gardiens, vos guides, tout ça. Ça ne se contrôle pas. Ce qui se contrôle, c'est terrestre. Donc, vous avez la possibilité de changer les choses. Et pour changer les choses, il ne faut pas tout montrer ou montrer des choses un peu fausses. Je m'explique. Je peux faire ça ou pas? Attendez, mon ange gardien, elle me parle. Ok. Fred, il aime bien... Fred Dulac, il aime bien les cartes. Il aime bien la médiumnité. Il aime bien la voyance. Il aime bien tout ça. Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est les voitures de sport. Les voitures de sport et... voilà. Moi, j'aime pas trop tout ça. Ok? Eh bien, quand même, quand je vais sur Internet, ben, même si j'aime bien la voyance et que je tape voyance, même si j'aime bien la médiumnité et que je tape médiumnité, même si j'aime bien les médiums et que je tape que Fred Dulac, parce que c'est le meilleur, Fred Dulac, eh bien, même si j'aime pas les voitures de sport, eh bien, je tape quand même voiture de sport. Je tape quand même voiture de sport. J'aime les voitures de sport. Ou si j'aime bien, qu'est-ce que j'aime pas? Et si j'aime pas, je suis pas adepte de la couture, mais bon, j'aime bien le rugby, donc je vais pas trop chercher le rugby, mais j'aime pas trop la couture, et bien je me force quand même sur le téléphone à chercher de la couture et à regarder de la couture. Et c'est comme ça que vous allez tromper votre monde, et c'est comme ça que les guides là-haut vont pouvoir vous aider à changer ce monde terrestre. Et Big Brother, avec son informatique, je peux vous dire que là, il en prend un coup. Là, comme on disait avant, il prend un coup dans le citron. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus vous mettre dans des cases. Tiens, Fred Dulac, médium, voyons, il aime bien les voitures de sport. Pourtant, il n'a jamais dit qu'il aimait les voitures de sport. Et pourtant, il a cherché les voitures de sport. Noyer le poisson dans l'eau, si on peut dire ça comme ça. Ok? Message pour vous. Allez, dernier message par rapport à ça. George Orwell. Oui, j'ai pas dit ce qui m'était arrivé, il faut que je le dise à la fin, parce que j'ai oublié, sinon j'ai failli plus être là aujourd'hui. Voilà, mais je vais vous raconter. Hop. Allez, le dernier message par rapport. Donc, nous sommes bien sous contrôle. Téléphone, voilà, téléphone. Ne dites pas tout aux conversations téléphoniques. D'ailleurs, ne tenez pas votre téléphone à l'oreille comme ça. J'en vois plein avec leur téléphone comme ça. Regardez comment on appelle ça, la notice, je ne sais pas si ça se dit toujours, ils le disent, hein. Il ne faut pas trop garder le téléphone à l'oreille, non, ne gardez pas le téléphone dans votre jean, dans votre short, près des parties génitales, surtout vous les filles, un conseil, après, il ne faudra pas venir pleurer, les ondes passent dans votre corps, dans vos parties génitales pour avoir des enfants et autres, et après on a des problèmes. Les ondes, c'est nocif, elles sont nocives, les ondes, d'accord? Ne tenez pas votre téléphone à l'oreille, on peut parler très bien comme ça et ça suffit. Quand on appelle quelqu'un, on fait le numéro ou on appuie sur Monsieur Bidiche, et Monsieur Bidiche l'appelle, je mets le téléphone là, je l'appelle, et une fois qu'il décroche, et bien Monsieur Bidiche, je le mets devant moi, et encore un peu loin, mais pas à l'oreille. Important. Et du coup, ce que je voulais vous dire d'autre, c'est ne dites pas tout à votre téléphone. Hey, monsieur Bidiche, t'as vu Mac-Mac? Mac-Mac, il a donné son prise. Et ils vous mettent dans des cases. Et quand toutes les cases sont remplies, eh bien, ils vous clonent. Et après, plus tard, possible que vous ne soyez plus. Ça sert à quoi? Vous servira à quoi? Puisqu'on va faire un autre vous en mieux. Mac-Mac, on aime bien, donc le vrai qui n'aime pas Mac-Mac, a dégagé. Par contre, celui qui est cloné et qui aime bien Mac-Mac, on le garde. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne dites pas tout, trompez votre monde. Pour une fois, c'est moi qui vous le dis, donc faites-le, c'est important. L'amour christique, ok, l'amour est important, eh oui. Mensonge et les étoiles, eh bien c'est exactement ce que je viens de vous dire.
On a le droit, même si on a de l'amour, même si on est vrai, de un peu dire des mensonges au téléphone, sur les réseaux, à nos amis, à nos ennemis, dans la rue, partout. Partout où vous êtes, dans les magasins, dans la rue, au téléphone, chez des amis qui ont des caméras, vous allez manger chez. Je suis allé manger chez Duduche. Chez Duduche, il a une grosse baraque et l'autre fois, on a fait un bardock de fou, et il a plein de caméras partout. On a rigolé, on s'est fait péter de rire là. On s'est fait péter de rire sur le Premier ministre et sur Bill et autres milliardaires. Je vais te dire, on a bien rigolé. Il n'y a pas que vous qui avez rigolé. Voilà. C'est vraiment un conseil que je vous donne, le conseil des anges gardiens, là-haut. On est partout sur surveillance. Où vous pouvez l'ouvrir, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué à l'heure d'aujourd'hui de l'ouvrir. C'est pour ça que je vous ai dit, mieux vaut faire un monde parallèle où on ne parle pas des autres, mais vous vivez dans le vôtre. Ok? J'espère que vous avez compris ça. Voilà. On a passé les messages. On a passé les messages. J'espère que vous avez tous compris les messages de George Orwell. Et donc il avait vu ça, hein, et c'est pas fini. C'est vraiment pas fini. À quoi servent nos données? Simplement, c'est clair et net, et c'est déjà le cas. À vous cloner. Vous vous rendez pas compte? Vous rendez pas compte de ce qui se passe. Vraiment, vous vous rendez pas compte. Mais vous verrez peut-être plus tard, ou pas. Peut-être qu'on ne s'en rendra pas compte. N'oubliez pas ce que je vous dis pour finir, vraiment. N'oubliez pas. Faites. Pas si, y en a qui arrivent à le faire quand même. Formez-vous un autre personnage. Voilà. Fred Dulac, qui aime bien Marie, qui aime bien Jésus, qui aime bien les roses, qui aime bien les oracles, qui aime bien la médiumnité, qui aime bien aider le bien-être, les gens, les âmes, l'amour, tout ça. Eh bien, il aime aussi Mac Mac, il aime aussi, il aime aussi Ducobu, il aime la politique, il aime les milliardaires, il aime l'argent, il aime quoi? Bah, il aime ce qu'il aime pas en fait. Voilà, un autre personnage. Voilà, I am a boss. Oui, je suis le boss. Ok? Ne dites pas trop la vérité sur les réseaux, au téléphone, même à vos amis, ennemis, amis. Qui vous dit que votre ami n'est pas votre ennemi de demain? Gardez une partie pour vous, secret, c'est très important. Un clone de vous, un clone, c'est l'image, la même image que vous, hein. D'accord? Sauf que l'image qu'ils vont faire, eh bien, c'est par rapport aux données que vous allez leur donner. Réfléchissez à ça. George Orwell, 1984. Merci. Voilà, j'ai tout dit. Je crois que oui, je voulais finir. On va finir par un petit tirage, un petit message final pour tout le monde. Donc, on est tous sous contrôle. Mais il ne faut pas se laisser aller quand même. Voilà, la liberté, c'est important. Et il ne faut pas se laisser faire dans la rue et tout ça. Toujours avec bienveillance, mais on ne se laisse pas faire. L'autre fois, je marchais hier. Je marchais sur la route à côté là, avec mon petit sac. Je venais d'aller à un magasin. Bref, je marchais avec mon petit sac. Tranquille, il faisait hyper chaud. Hein. C'était vers 18h. Chaud les potatoes. Je marche au bord de la route, sauf que je suis un peu au soleil, donc je décide de traverser la route parce que sinon j'allais prendre un gros coup de cagnard sur le cornet. Comme j'ai moins de cheveux et moins de barbe, ben, je vais prendre vraiment un gros coup de cagnard. Et donc je traverse la route, il n'y a personne, je regarde vite fait, je traverse, sauf qu'au moment d'arriver au milieu de la voie, il y a deux foudingues qui arrivent en voiture de sport, bref ou pas. Un fou et une folle dingue qui arrivent limité à 50, et dans la ville, je ne vous raconte pas, mais déjà 50, c'est déjà beaucoup. Et là, ils arrivent au moins à 150. Et du coup, moi au milieu, avec mon sac, j'ai dit, je fais quoi? J'ai eu le temps de parler à mon ange gardien qui me dit, Fred, à mon avis, sauve-toi. C'est un peu ça qui s'est passé. Alors j'ai fait des grands gestes. Encore le papy gentillet avec sa grosse voiture de sport qui roulait sur le côté droit, ça allait, il a ralenti. Par contre, la femme qui était à gauche avec son gros 4x4 qui roulait à 150, qui doublait l'autre qui roulait à 120 dans la ville, et moi j'étais là au milieu. Je peux vous dire qu'à un moment donné, j'ai pris mon sac et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui mets le sac dans le pare-brise ou est-ce que je fais deux pas de recul parce que sinon elle va me shooter? Voilà. En fait, tout ça s'est passé en quelques secondes. Donc, je suis encore là. Je ne sais pas par quel. Voilà. Mon ange gardien m'a protégé. Et je peux vous dire que. Parce que je l'ai vu. C'est bizarre parce que ça va tellement vite qu'on ne se rend pas compte. Mais par contre, je me rappelle de cette femme, une jeune qui était au volant. Hein. J'ai rien contre les jeunes au volant, mais là, elle roulait très très vite.
Et en roulant comme ça, elle zigzaguait un peu, machin, elle roulait très vite. Et elle a eu le temps de me faire des fucks quand même. Elle m'a fait des fucks. J'étais... C'est vrai que j'avais rien à foutre au milieu de la route aussi. Qu'est-ce que Fred Dulac fout au milieu de la route par 40 degrés? Voilà, j'essayais d'aller à Londres, mais je ne l'avais pas vu arriver. Ben, il faut dire qu'ils arrivaient vite. Et elle a eu quand même le temps de me faire des fucks. Voilà. C'était juste une petite parenthèse pour vous dire que la méchanceté est partout. Je vous l'ai déjà dit et elle continue la méchanceté. Donc il ne faut jamais répondre par la méchanceté, mais il ne faut pas se laisser faire. Donc la prochaine fois, je balancerai mon sac dans le pare-brise. Non, mais c'est vraiment une histoire vraie. Hein. Une histoire vraie. Et je peux vous dire qu'à 150, vous attendez pas. Ça débouche vite. Et ça va, j'étais tout seul. Mais s'il y a mon gamin avec moi, s'il y a une poussette là, je peux vous dire qu'il y a tout qui vole. Hein. Voilà. Et donc, j'étais un peu déçu par ça. Et en plus, j'ai bien vu cette femme qui me faisait des fucks. Je peux vous dire que heureusement qu'il n'y avait pas de feu plus loin parce que là, je la coursais. Hein. Et même si voilà, j'ai perdu un peu de forme, je peux vous dire que là, elle allait dégager rapidement. Avec bienveillance, merci, bien sûr. Voilà, c'était mon anecdote. Allez, on finit avec le dernier tirage. Je vous embrasse tous et toutes. Restez positifs, positives. Profitez de vos vacances, de la chaleur, il fait chaud. Faites attention aux orages. Les orages arrivent violents, 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 violents. C'est normal, il fait chaud. Et il y a deux, trois avions aussi qui passent par soir, mais bon, ça, je ne peux pas le dire. Un dernier message pour tout le monde. Allez, on y va. Merci. Je vous embrasse tous et toutes. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver le mardi à 19h. On se retrouve en live. J'oublie pas, hein, YouTube, message des stars du ciel. J'oublie pas. J'espère pouvoir, mais il fait très chaud, donc on va voir. Je vais voir. On y va, dernier message par rapport à la vie d'aujourd'hui, sûrement. Aux conflits qu'il y a, j'en ai pas parlé, aux tensions qu'il y a entre tout le monde, dans les autres pays internationaux, mondiaux et tout ça, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Intégrez votre lumière, intégrez votre lumière, voilà. N'écoutez pas tout ça, intégrez votre lumière. Le printemps encore et le fouet, ah bah dis donc, c'est incroyable. Ça, celle-là, c'est pas les. Ces deux cartes-là sont sorties trois fois hein, dans ce tirage, dans cette vidéo. Hein. Vous avez vu, j'ai mélangé, hein, pourtant. Donc, c'était quoi le printemps et le fouet? Ça veut dire qu'on vit dans un monde quand même de misère où il faut donner de la lumière, donner votre lumière. Voilà, allez, on y va. J'ai assez parlé, j'ai assez dit. Merci George Orwell, merci tout le monde. Je vous embrasse tous et toutes. Ciao, c'était Fred Dulac avec son café et sa bonne humeur. Et musique. Et ça s'appelait comment tout à l'heure? Ça s'appelait... Ah ouais, vous. Ciao, ciao, merci. Il me semble que j'ai oublié de dire quelque chose. Il me semblait qu'il y avait quelque chose de très important à dire. Ça va me revenir avant que je mette la musique ou pas? Mon ange gardien, merci de me dire. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je voulais dire les lives. George Orwell. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de le placer. Je devais placer Gastinoche. Voilà. Gastinoche. Désolé, je n'ai pas pu le placer avant. Bon, ça va pas bien, mais quand même, on est quand même tous des bons Gastinoches. Voilà. Bon, la prochaine fois, je ferai mieux. Hein. Je passerai le mot où il faut. Hein. Allez, à toutes mes Gastinoches et mes Gastinoches. À bientôt. Ciao, ciao.